Vous êtes ici dans le laboratoire Plasma du service de chimie analytique et des interfaces de la faculté des sciences de l'ULB. En fait, le laboratoire travaille exclusivement dans le domaine des plasmas atmosphériques. Ce que nous faisons, c'est modifier des surfaces, déposer des couches organiques, inorganiques, hybrides, multifonctionnelles, mais exclusivement par plasma atmosphérique. Les caractéristiques, ce sont des caractéristiques, nous faisons de la recherche qui est à la fois purement fondamentale et appliquée, destinée à la fois au progrès de la science et aussi à servir les besoins des industries. Donc les applications industrielles des plasmas atmosphériques sont nombreuses, puisque un des avantages, c'est qu'on peut implémenter ces plasmas sur ligne en absence d'équipements très coûteux. Parmi toutes les couches que l'on peut déposer, nous pouvons déposer des couches qui sont anti-corrosion, des couches qui sont multifonctionnelles, des matériaux absorbeurs solaires, des matériaux photovoltaïques, des matériaux qui permettent d'améliorer ou de diminuer la réflectivité. Alors les services que nous fournissons aux entreprises sont la résolution de questions fondamentales, la résolution de questions qui sont plus orientées directement à un besoin concret de l'entreprise en termes de traitement de surface ou de dépôt de couches. Nous faisons aussi des services de formation, donc nous formons les techniciens qualifiés des entreprises. Le laboratoire travaille exclusivement avec des plasmas atmosphériques barrières à des charges diélectriques ou radiofréquencées. Les plasmas sont soit en décharge ou en post-décharge en fonction des matériaux et des substrats à traiter. Et les couches déposées sont caractérisées par XPS, par infrarouge, par angle de contact. Donc le laboratoire a travaillé déjà pour le projet Mirage, financé par le plan Marshall de la région Wallonne. Nous avons actuellement un projet qui s'appelle DAO. Également, donc, ce sont des couches déposées par plasma atmosphérique pour des applications extérieures pour les métiers de la sidérurgie. Nous avons également des projets qui visent à déposer des membranes par plasma atmosphérique ou encore à traiter des gaz industriels toujours par plasma atmosphérique.